secrets du gouvernorat. Ce bus Transco ne transporte pas de passagers ordinaires, mais plutôt de sept criminels présumés, soupçonnés d'avoir sémé terreur et désolation dans Aiziro Kawacha dans la province du Haut-Tuélé. À l'extérieur du bâtiment, c'est quasiment toute la ville d'Aiziro qui s'est donné rendez-vous pour dire non à l'insécurité qui tente de troubler la paix dans la paisible province. D'une air grave, le gouverneur Christophe Bassiné-Nonga investit les lieux sous le salve d'applaudissements spontanés d'une population reconnaissante au travail abattu par ce service de sécurité. Juste après, c'est le numéro 1 de la PNT Aiziro, le colonel Eric Pereza, qui égrène l'un après l'autre les noms de présumés criminels, chacun avec une tâche précise. Donc, nous avons la catégorie Mibali. Nous avons la catégorie Mibali. Nous avons la catégorie Mibali, Pekogoma, Nakati, Aïmoba, Isiro. Nous avons la catégorie Mibali. Nous avons la catégorie Mibali. Nous avons la catégorie Mibali. Prenant la parole, Christophe Bassiné-Nonga ne passe pas par le dos de la cuillère. Tozali prêt avec le concours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Sengi Nabajen, la population Nyonso, Oya Yedi, Wati Mabomba Kimunduki, Alo Bayango, donc il ne peut récupérer un mot. Moutou Nyonso, Oya Kopesa Biso, information, il y a un criminel Nyonso, Toye Bako. Ça a quelque chose de façon que, attaque mon côté la bus. Jusqu'à leur reconduction dans le bus, la bande est accompagnée par des houées d'une population lassée par ses actions criminelles. Une interpellation pour ceux d'entre eux qui sont encore en cavale et qui ne devront pas défier l'État jusqu'au bout.